تأملا موجها مع الدكتور جاكفين بعد نهاية هذه المحاضرة. Alors donc, c'est un développement de Louise inspiré par le psychiatre d'Afrique du Sud. Ça me fait penser à une phrase toute simple de Vigilant Dame. إذن هذا العرض الذي قمنا به والذي استوحيناه من هذا الطبيب النفساني إيساك ماركس من أفريقيا الجنوبية يذكرني بمعادلة وجملة لسوامي فيجياناندا تقول: La meilleure des psychologies, c'est celle qu'on fait par soi-même sur soi-même. إن خير سيكولوجيا نطبقها ونقوم بها هي التي نقوم بها بأنفسنا على أنفسنا. Bon, je sais que pourrait y avoir des psychologues qui seront pas contents avec ça, mais il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. أعلم أن الكثيرين من علماء النفس أو المعالجين النفسانيين لن يوافقوا عليها، ولكن علينا أن نفهم ما الذي يقصده سوامي فيجياناندا. Bon, c'est l'autonomie qu'on recherche. Et à ce moment-là, le maître spirituel, il n'est pas là pour donner des explications détaillées, mais pour donner une énergie. إذن هي ما نكسبه هو هذا يعني الأوتونوميا، أي العمل الذاتي على ذات هذا الاستقلال الذاتي، وعندها الاكتفاء الذاتي، وعندها المعلم يكون هنا بالأكثر كي يعطي طاقة ما. Et il y avait un couple de professeurs de psychiatrie qui allait dans ce sens-là, c'était les Tsouza. هناك أيضا زوجان سيكياتر عالمان نفسيين كانا في هذا الإطار، يعني في هذا الجو من التعليم. Et ils ont écrit un livre de 700 pages peut-être, Psychiatry in India, la psychiatrie en Inde. وكتب كتابا من 700 صفحة، علم يعني الطب النفساني في الهند عنوانه. Et en conclusion, il donnait une approche des choses que j'ai rarement vue en Occident. وكان يعطونا مقاربة للأمور لم أجدها كثيرا في الغرب. Il disait que le psychiatre n'était pas tout puissant. كان يقولان أن الطبيب النفسي لم يكن عنده هذه القدرة الكبيرة. Mais qu'il y avait quand même des moments où les individus étaient si mal qu'ils ne pouvaient pas pratiquer la méditation, en particulier pas le japa, la récitation du nom de Dieu. ولكن في بعض الأوقات كان
المريض أو لنقل الفرد العادي غير قادر على متابعة ممارسة الجطا أي تكرار المانترا. Et donc le rôle du psychiatre, c'était de ramener le sujet à un moment où il peut vraiment faire sérieusement sa propre méditation. Et ensuite, ben, le processus de méditation continuera la thérapie avec le patient. إذن وكان شغل المعالج النفساني أن يعيد هذا المرء إلى استخدام هذه من خلال هذه المعالجة أن يعاود خط العلاج الذاتي. Et donc, c'est important à dire, parce que sinon, la tendance finalement facile, c'est de dire à certains patients, vous aurez besoin de médicaments à vie, alors qu'au fait, on n'en sait rien. Hein, on n'en sait rien, et puis les patients peuvent évoluer, peuvent faire un travail en profondeur sur eux-mêmes qui change les statistiques. وبالمقابل هذه هي مشكلة العلاج النفسي، أن نقول للمريض أنت تحتاج إلى دواء طيلة حياتك، وفي واقع الأمور نحن لسنا لا نعرف ذلك ولا يمكن أن نؤكد. Et comme donc le psychisme est très suggestible, si on dit à un patient qu'il a besoin d'un traitement à vie, il risque de le croire. Effectivement, il aura besoin d'un traitement à vie. Mais si on avait dit le contraire, peut-être que justement, il se serait libéré du traitement médicamenteux. وبما أن المعنويات شيء يختلف ومهم جدا، إذا قلنا للمريض أنك بحاجة إلى علاج طيلة حياتك، فمن المحتمل جدا والأرجح أن يقتنع بذلك وسيصير بحاجة إلى العلاج، في حين أنه يمكن أن يتجاوز ذلك إذا قلنا له خلاف ذلك وعكس ذلك. Donc, on peut méditer dès maintenant sur cette phrase, la meilleure des psychologies, c'est celle qu'on fait sur soi-même par soi-même. إذن لذا يمكن أن نتأمل في هذه المعادلة التي أطلقها سوامي فيجياناندا، أن خير سيكولوجيا هي التي نقوم بها بأنفسنا على Ne pas hésiter à simplifier la phrase pour qu'elle rentre dans ce cadre très apaisant du rythme 4 plus 1, 4 plus 1, 4 pulsations sur إذن l'inspiration. يمكن أن نوازي ذلك بهذه الجملة، نختصرها نوجزها كي تتناغم مع دقات القلب. خير سيكولوجيا نقوم بها بأنفسنا على خير سيكولوجيا ما نقوم به بأنفسنا على Donc, en français, on peut donner un petit rythme pour loger cette formule simplifiée sur 4 pulsations à l'inspire, 4 pulsations à l'expire. إذن يمكن مثلا 4 ضربات قلب على الشهيق و4 على الزفير، مع ترداد القسم الأول ثم القسم الثاني. خير سيكولوجيا بأنفسنا على Par exemple, أنفسنا. ça peut être la meilleure des psychologies, home, par soi-même, sur soi-même, home. خير La meilleure. سيكولوجيا
ما بأنفسنا، هي بأنفسنا على أنفسنا. Donc en arabe, n'hésitez pas à adapter aussi la formule. On peut abréger la formule parce qu'on a compris ce qu'elle voulait dire et on a compris la formule complète. Donc on l'abrège et c'est juste un rappel pour la pratique d'instant en instant. أن نختصر هذه الجملة كي نسهل استخدامها. Bien, libérer l'amplitude du souffle, en particulier de la réinspiration, en سأمحك étant libéré les pulsations inspiratoires. أطلق إيقاع التنفس، إذا كان طويلا قصه ودعوه على سجيته. Pour que cette régitation soit encore plus berçante, on peut redresser la tête sur l'inspire, la laisser légèrement aller sur l'expire. إذن يمكن أيضا مثلا أن نحني الرأس قليلا على الشهيق ثم نرفعه على ذلك. Maintenant, comme on commence à se calmer, on peut rentrer plus facilement dans cette respiration deux par deux qui est typique de la méditation profonde, comme du sommeil profond. إذن الآن يمكن أن ندخل أكثر فأكثر في هذا التأمل العميق، إذن على إيقاع 2 باثنين كما شرحنا. À ce moment-là, comme c'est plus rapide, on laisse tomber le home poumon plein et poumon vide. يمكن مثلا أن نتجاوز نصف الأوم في Fait deux pulsations sur l'inspire, deux pulsations sur l'expire. يغدو إذن نبضتان على الشهيق ونبضتان على Donc sur l'inspire, la meilleure, sur l'expire, des psychologies. الشهيق أيرو، على الزفير سيكولوجيا. Sur l'inspire, par soi-même, sur l'expire, sur soi-même, على ou sur soi-même, par سينا، على الزفير، على أنفسنا. Donc ça donne sur la meilleure des psychologies.
par soi-même, sur soi-même, la meilleure, etc. التكنولوجيا لأنفسنا على أنفسنا. Ça devient comme une marche intérieure et une marche bien équilibrée, gauche et droite. Ça permet d'aller loin. وكما لو أنها مشي داخلي على إيقاع معين يساعد على المضي قدما إلى الأمام. Marcel Jousse avait beaucoup étudié la mémoire et les traditions orales. C'était un jésuite qui a enseigné entre les années 20 et 40. إذن مسجو هو درس التقاليد الشفوية كثيرا في المجتمعات Il a écrit l'Anthropocène et il définit trois lois, le mimisme, le formulisme et le bilatéralisme. إذن يحدد 3 طرق منها المحاكاة Et les trois, au fond, diminuent l'anxiété. والطرق الثلاثة تخفف منها القلق. Quand on a un modèle qui est très positif, on n'a qu'à être en miroir de lui ou d'elle, comme l'enfant de sa mère, et ça, c'est rassurant. إذن هذا محاكاة مثلا الطرق لوالدته أمر يدفع به إلى الاطمئنان. Et donc, cet enseignement, c'est bien qu'il soit condensé dans des formules faciles à retenir. Et وهذا donc, si c'est important. التعليم من المستحسن والمفيد أن يكثف في صيغ بسيطة مختصرة سهلة الحفظ. On retrouve ça dans l'enseignement du Bouddha. Pendant 2 siècles, l'enseignement du Bouddha a été transmis par tradition orale. ونجد ذلك في تعليم بوذا، فتعليم بوذا خلال قرنين كاملين انتقل بطريقة شفهية. Ce n'est que vers 300 ou 300 avant Jésus-Christ, sous l'empire de Chandragupta, que l'écriture s'est vraiment répandue dans le nord de l'Inde. والكتابة لم تنتشر في الهند إلا خلال حكم تشاندرا جوبتا، يعني في 300 قبل المسيح. Et finalement, pouvoir résumer tout un enseignement dans des formules simples, dans des listes simples comme les 5 obstacles, les facteurs d'éveil, tout ça, c'est très apaisant. إذن واختصار التعليم في صيغ موجزة أمر مفيد جدا ويساهم في بقاء هذه التعاليم وحفظها. Et le côté bilatéral équilibré des formules est lui aussi très apaisant, comme le côté bilatéral et équilibré de la marche elle-même. وهذا الجانب الثنائي أيضا في الصياغ مهم، مثل تماما الثنائية في المشي يساعد في الترسيخ. On peut citer parmi de nombreux exemples la formule du Bouddha, en se protégeant soi-même, on protège les autres, en protégeant les autres, on se protège soi-même. يمكن هنا أن مثلا
نستشهد صيغة بوذا القائلة بحفظ أنفسنا نحفظ الآخرين، وبحفظ الآخرين نحفظ أنفسنا. Et là, en Inde, j'ai entendu l'hiver dernier, dans une famille de brahmanes, un couple assez jeune qui récitait peut-être pendant un quart d'heure la Bhagavad Gita par cœur. في الهند مثلا التقيت بعائلة زوجته، كان خلال ربع ساعة ونصف ساعة يكرران مقاطع كاملة من الباغافاد جيتا حفظاها عن ظهر. C'était à la fois très énergétique, très beau et très apaisant. كان ذلك بالفعل جد مؤثر، وأيضا تأثيره عميق. Et c'était apaisant à cause du rythme qui est un rythme de deux fois. Donc 16 syllabes, de deux versets de 16 syllabes. كان مهدئا أيضا بسبب الإيقاع، كل شق بيت من الشعر من 16 مقطع. Cette structure a même un nom, on l'appelle l'anoustoub. هذه البنية اسمها أنوشتوب. Littéralement, c'est quelque chose comme le pilier qui monte. Bon, il doit y avoir une explication à ce nom-là, mais effectivement, c'est un rythme très stable. إنه وزن من الأوزان الشعرية، ووزن ثابت يختصر في الثبات. Parce que dans le 32, hein, c'est une puissance de 2, donc c'est des symétries dans les symétries, dans les symétries, dans les symétries. إذن هو نوع من الوزات الكاملة التي لا تنتهي. Donc derrière ces explications un peu longues, il y a un abord traditionnel de l'anxiété, de comment la réduire en combinant la réduction de l'anxiété avec l'apprentissage de l'enseignement. إذن مع هذا التكرار هناك نوع من تخفيف القلق والاضطراب الفكري من خلال هذا التكرار. Donc on reprend le rythme deux par deux, de pulsation à l'inspire, de pulsation à l'expire. نعاود هذا الإيقاع اثنان باثنان على الشهيق والزفير. La meilleure des psychologies, c'est pas soi-même sur soi-même. La أي meilleure des psychologies, pas soi-même sur soi-même. خير سيكولوجيا ما نقوم به بأنفسنا على أنفسنا. Donc pour intensifier cette récitation, on respire deux fois moins amplement, mais avec le même rythme. إذن يمكن أن نقوي هذا التنفس بأن نتنفس بطريقة أوسع مرتين. La meilleure des psychologies, pas soi-même. Sur soi-même, la أي meilleure. سيكولوجيا أنفسنا على أنفسنا.
image qui vient à propos de cette petite respiration à l'instant, donc c'est la suivante. الصورة التي تحضرني بشأن هذا التنفس وهذا التأمل هي التالية. La petite respiration, c'est comme la mèche qu'on allume et qui mène à un baril de poudre, et à la fin, le baril de poudre explose. إذن هذه التنفس الخفيف هو مثل شعلة Donc au نقربها début, ça part. البارود فيلبس. Au début, ça paraît une action toute petite, mais finalement, l'effet est majeur. في البداية يبدو لنا أنها حركة بسيطة ولكن مفعولها رهيب جدا. Cette petite respiration, c'est aussi un traitement de fond de la claustrophobie et de l'anxiété. هذه التنفس الصغير ممكن أن ينتج عن القلق وعن الفوبيا الرهاب. La claustrophobie, c'est la peur des espaces fermés et étroits. كلوستروفوبيا هي الرهاب الخوف من الأمكنة المقفلة. Et l'anxiété, par l'étymologie même du mot, c'est la peur de l'étroitesse. والقلق هو الخوف من الضيق. Donc, quand on plonge de la petite respiration, c'est quelque chose qui est étroit, petit. عندما نفحص في التنفس الصغير هذا هو شيء أيضا ضيق وصغير. Mais paradoxalement, cette petite respiration mène à une expérience de joie immense, particulièrement vaste. ولكن هذا الضيق يوصل إلى تجربة كبيرة وفسيحة وكبار. C'est comme un état de mort imminente qui nous fait voir le tunnel de lumière. مثل وضع ضيق يجعلنا نرى نفقا من النور. Et les gens qui ont vu ce tunnel de lumière, dans l'ensemble, n'ont plus peur de la mort. Ce n'est pas un petit bénéfice. وهؤلاء الذين يروا هذا النفق النور وكأنهم خطوا الموت. On revient à la petite formule tranquillement. إذن نعود إلى هذه الصيغة الصغيرة ونكررها بصورة عفوية. Une cause fréquente d'anxiété, c'est de vouloir faire trop de choses ou trop de choses à la fois. من أسباب القلق هو رغبتنا بأن نقوم بأمور عديدة وفي الوقت عينه.
Et donc, être capable de réciter une même formule pendant longtemps, c'est un antidote radical de ce type d'anxiété. وأن نكرر صيغة عينها لفترة طويلة هو ترياق مناقض ومعالج. Donc je vais vous envoyer le petit texte que j'ai fait, puis les notes que j'ai prises de Louis. Donc je pense que bon, il y a peut-être quelques petites erreurs là que je termine de corriger, mais ce sera bon. C'est Geneviève Donc qui va corriger d'ailleurs pour aboutir. pardon. Geneviève va corriger pour aboutir à un texte. D'accord, alors je l'envoie à Geneviève, puis Geneviève vous l'enverra. Oui, c'est aussi bien. Bon, c'est bien. D'accord. Oui, alors, donc. Et donc, est-ce que vous avez deux, trois questions? On ne va pas être long parce que là, on a bien travaillé, mais. Oui, juste parce qu'on a bien travaillé. Jacques, cette question de médicaments à vie, ce n'est pas uniquement en psychologie et en psychothérapie, c'est dans toute la médecine. Il y a cette direction. Ce n'est pas en quelque sorte une direction plutôt commerciale pour le Ben oui, on peut diabète dire, oui. à Rendre les gens vie. dépendants. Hein? Rendre les gens dépendants, oui, et oui. Il y a un côté commercial, évident. Justement dépendant de médicaments et qui est fabriqué par une usine pharmaceutique et qui veut rendre les gens dépendants pour qu'ils continuent toute une vie à acheter le médicament. Oui, tout à fait. Oui. Et même dépendant des thérapeutes, hein, voilà, là, qui font durer les choses, ces psychanalyses qui durent 20 ans, et voilà, c'est une dépendance Justement, qui se c'est ce qu'il développe. dit d'ailleurs, c'est ce qu'il dit Isaac Marx, qui était à l'origine psychanalyste. Il n'a pas trouvé logique toutes ces longues thérapies. Et si quelqu'un a un problème d'une phobie ou bien d'une certaine peur, il va rester 5 ans à suivre au moins 5 ans une psychanalyse. Il aurait pu craquer de son problème avant que la psychanalyse aboutisse à un traitement ou bien un résultat vis-à-vis de son problème. Oui, tout à fait. Est-ce que tu vois, Jacques, que la psychanalyse réellement recule actuellement en tant que psychothérapie? Oui, je pense que ça recule, à part peut-être en Argentine ou dans certaines
l'université française où il y a les Auliban vieux même, patrons qui sont et encore attachés à la psychanalyse. Auliban même, le Freud, c'est toujours l'idole. Freud. Freud, Auliban même, et tu l'as d'ailleurs, tu l'as Oui. bien remarqué. Même ces psychanalystes qui mettent Freud sur, qui, comme tatouille, donc il est l'idole de Oui, la comme une idole, psychanalyse. oui. Oui. Et ça, c'est pas normal, oui, parce que les choses évoluent. Et il y a plein d'autres méthodes maintenant plus efficaces. Mais bon, il y a quand même un problème quand des psychiatres rejettent la psychanalyse, mais n'écoutent pas le patient, n'ont pas de méthode où on tient compte du patient et appliquent juste des recettes simplistes ou des médicaments. Donc là, c'est sortir du freudisme par le bas et c'est pas bien, il faut en sortir par le haut. Oui, mais parce que déjà, cette recherche de simplifier les choses, et là, ce que dit d'ailleurs Isaac, que l'autotraitement, c'est un processus assez lent, qui demande une patience, qui demande beaucoup d'efforts, et j'en n'aime pas ça. Ils veulent un comprimé une fois ou deux fois par jour, ça s'arrête là. Ils ne veulent pas faire des efforts pour se corriger. Oui. Tout à Et fait. c'est en même temps l'avantage et l'inconvénient de la psychologie spirituelle, parce que c'est un travail sur soi, mais de longue haleine, qui n'est pas fait en un jour ou deux. Oui. Voilà. Vous avez une question sur le chat. Tu as vu, Louis? Il y a une question sur le chat. Non, je n'ai Non. pas l'accès au chat là. GB. Alors, c'est Georges Bellos qui pose. Question. Comment retirer un poids qu'une personne sent qu'elle sent peser sur ses épaules? Tu la vois? Ah oui. C'est un peu général cette Oui. question. À ton avis, Jacques, tu as une réponse? J'aurais tendance à dire déjà par la posture et par la posture et la respiration. Hein, c'est une chance finalement quand un problème nous envoie une traduction physique. Ça veut dire qu'on peut déjà travailler régulièrement sur l'effet physique du problème. Donc c'est un peu de tristesse, hein, le poids sur les épaules. Et donc, puisque la tristesse s'exprime dans la posture, changer la posture, et puisque la tristesse s'exprime dans la respiration, changer la respiration. Et en faisant ça, on comprendra mieux l'origine de la tristesse. Oui, mais par contre, là, justement, Jacques, il y a des psychologues qui disent que quand un mal est psychique commence à s'exprimer corporellement, c'est presque une phase finale d'une maladie et assez dangereuse. Par exemple, je ne sais pas, un stress qui s'exprime par une certaine paralysie ou pseudo-paralysie des mains. Oui, alors là, Jean Becchio a bien étudié cette question, a vu des études lui-même et grand hypnothérapeute, et il dit que cette histoire que si on supprime un symptôme, il va ressortir ailleurs, c'est du. Moi aussi, je croyais ça, et parce que tout le monde répétait ça dans les années Jacques, 80, mais tu maintenant, t'éloignes. je fais ça de près, et ce n'est pas vrai tout ça. Ça se coupe, ta voix se coupe. Je crois que tu t'éloignes un peu du Oui. combiné. Tu peux Donc, reprendre. c'est pas parce que on élimine un symptôme par une thérapie simple et appropriée que le symptôme va ressortir ailleurs. C'est au fait du mythe, hein, mais beaucoup de gens ont cru ça et l'ont répété de façon doctorale. Mais quand on a repris des études précises sur ce sujet-là, on s'est aperçu que c'est pas vrai, hein. On peut supprimer les symptômes sans qu'ils ressortent ailleurs. Et si on ne supprime pas un symptôme, eh ben, il a tendance à se chroniciser et ça devient un vrai problème. Donc, il faut attaquer un septembre et non pas. Oui, mais il faut l'attaquer.
l'attaquer. Et en l'attaquant, on comprend d'où il vient, on comprend comment ce qui reste en nous, et on comprend mieux comment s'en libérer. Donc, c'est en forgeant qu'on devient fort, c'est en attaquant les symptômes qu'on comprend leur pourquoi et leur comment. Et Jacques. finalement, d'ailleurs, notre psychisme, c'est notre propre responsabilité. Le problème, c'est que les gens jettent cette responsabilité sur le psychothérapeute, ou bien sur le psychiatre. Oui, et sur les médicaments qu'il va donner, ce qui est le plus facile. Voilà. Mais bon, il y a des moments où un médicament peut être important. Hein, voilà, en période de crise, un médicament peut être important. Mais le problème, c'est que après, on a tendance à les garder à vie. Et ça, et à la place de faire un travail sur soi, c'est valable pour la névrose comme pour la psychose. Et pour les maladies même, ce genre de ce qu'on appelle les maladies chroniques, diabète, etc., bah on prend des médicaments à vie. Oui, ça, peut-être que dans certaines maladies chroniques, il n'y a pas le choix, mais en Et bien, c'est psychiatrie, le problème, normalement. c'est une tendance générale actuellement dans l'exercice de la médecine. Oui. Oui, donc les traitements de terrain sont d'autant plus importants pour sortir de la dépendance médicamenteuse à tous les niveaux. Jacques, est-ce que tu pourrais préciser quelque chose que tu as dit pendant ta méditation? Tu as dit à un moment, si j'ai bien compris, que quelqu'un a cité la Bhagavad Gita en un quart d'heure, si j'ai bien compris ou j'ai fait erreur, et que tu pourrais Oui, donc dire, préciser cela, s'il te la plaît. Bhagavad Gita, c'est très apaisant quand on la récite pendant longtemps, parce que c'est un rythme de 2 fois 16 syllabes, et donc c'est un rythme complètement symétrique. Et ce côté complètement symétrique est apaisant, et ça m'a fait penser à Jousse, qui disait que les traditions orales s'étaient basées sur le mimisme, le formulisme et le bilatéralisme, c'est-à-dire la symétrie. Voilà, des formules symétriques, et accompagnées par des gestes, donc il appelait sa vision des traditions orales, l'anthropologie du geste. Et sa grande base, c'est que l'Évangile et la Bible à l'époque du Christ, c'était une tradition orale. Et donc, il y a un style dans la tradition orale. Le bouddhisme aussi, donc comme je vous l'ai dit, maintenant c'est assez bien établi, pendant 2 siècles, a été une tradition entièrement orale. Et donc, Justement. mais oui, on sait que dans les traditions orales, il y a deux types de transmission, la transmission des textes fondamentaux qui sont appris par cœur mot à mot et récités par la communauté. Donc ça donne une grande stabilité dans la récitation de ces textes. Et on en a la preuve parce qu'on voit les mêmes textes qui sont passés d'un pays à l'autre, exactement pareil, alors qu'à cette époque, il n'y avait pas d'écrit. Et puis, il y a un autre type de tradition orale, comme par exemple les Jataka, les contes des naissances antérieures du Bouddha. Là, il y a des fils généraux des histoires, mais il y a des variantes dans les détails de l'histoire parce que c'était des conteurs qui avaient le droit de varier. Justement, je venais d'avoir un cours sur la Bhagavad Gita, Jacques, à l'instant juste avant de vous écouter. Et c'est ce qui s'appelle, entre autres, donc la connaissance par transmission orale, ça s'appelle Shruti. Oui, C'est bien oui. cela? La transmission. Il y a Shruti et Smriti, les deux sont par transmission orale. Voilà, les Shruti, c'est les textes les plus sacrés, et les Smriti, c'est les textes généraux plus vastes. Hein. Par exemple, je pense que les Upanishads sont considérés comme Shridi, c'est-à-dire c'est les textes fondateurs de l'hindouisme. Et puis il y a d'autres textes qui sont plus vastes, mais moins indispensables pour l'hindouisme, qu'on appelle Smriti, c'est-à-dire des corpus de textes mémorisés, mais quand même assez importants par rapport aux Védas, aux Upanishads, qui sont des textes assez condensés. Et les textes les C'est plus à peu près sacrés, ça. donc. Hein? Et Oui, les c'est textes ça, les plus oui, c'est à sacrés. peu près ça, mais les mantras védiques, c'est ceux qu'on apprend par cœur pour réciter pendant les rituels, alors que les smritis ne sont pas récités dans les rituels, quoi. Il n'y a pas ce côté presque magique
de la formule sacrée, les Smritis et les Puranas. Donc, c'est des histoires, c'est plus délié et moins important pour les rituels. Bien, ben on va pouvoir Il en connaît des choses, Jacques. y aller. Ben écoute, ça ressort, mais il ne faut pas trop me cuisiner parce que je sens mes limites. Hein. Il y a des choses aussi que j'avais étudiées il y a 40 ans et je ne m'en souviens pas mot à mot. Hein. Il faudrait que si je voulais répondre précisément, il faudrait que je reprenne, que je Voilà. fasse un Oui, révisement. mais c'est déjà beaucoup ce que tu nous apprends, ce que tu nous transmets, c'est déjà énorme. Ben, Merci. j'essaie de dire les grandes lignes. Vijayananda aussi, hein, sur beaucoup, beaucoup de choses, il disait les grandes lignes. Hein, il pensant les détails, voilà, il disait les grandes lignes, les choses importantes. Et, ce il avait beaucoup lu, mais il donnait l'essentiel quoi, de ce qu'il avait lu et ne rentrait pas dans tous les détails. C'était son style, quoi. Allez. Ok. Merci beaucoup. Jaima. À Jaima à toi. tous. Jaima. Jaima, Jaima. merci beaucoup. Merci. J'ai reçu des belles photos de Béa de Corte-sur-Ciel. Aïe, ils sont